Eh oui! Eh oui, mesdames, messieurs, eh oui! Enfin! Après 2 ans de pause, après 2 ans en me posant la question, vais-je faire la suite? Est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va être fluide? Nous y voilà! Never Winter Nights 2, et je vous l'annonce, c'est prévu. J'ai tout ce qu'il faut. C'est parti pour une intégrale du jeu, vu que j'ai trouvé les extensions pour un prix défiant toute concurrence, à savoir Neverwinter Nights 2 à l'aventure de base, Mask of the Betrayed et Storm of Zeir, qui seront tous faits sur cette chaîne en français avec le matériel d'origine évidemment. Je joue sur une version CD. Bonjour à tous, je suis Arlus et j'espère que vous êtes prêts pour les nuits où l'hiver ne se trouve jamais. Deuxième volet. Vais-je faire la suite de Ian Black, le héros ou le roublard du premier épisode, je ne sais pas. Vais-je tenter une autre classe ainsi qu'une autre race, je ne sais pas non plus. Prévention cependant, je joue, comme je l'ai dit, sur une version physique et je suis en plus sur un lecteur externe, ce qui fait que à certains moments le jeu va charger, va faire des petits freezes. C'est indépendant de ma volonté. Pourquoi je n'ai pas pris une version Vogue? Parce que non, j'ai pas envie. Nous y voilà, j'espère que vous êtes hypés. La coupe des vidéos se fera comme pour le précédent jeu. Je fais une session d'environ une heure et demie, et j'essaye de couper des épisodes d'environ 20, 25, 30 minutes grand max, en fonction de ce qui se passe, en fonction de l'action, et aussi en fonction des fins de chapitre. Donc nous allons commencer la nouvelle partie sur une nouvelle campagne. Je n'ai installé aucun module. La campagne officielle de Never Winter Nights 2. La paix est revenue sur la cité de Pas d'Hiver, qui doucement se remet de son effroyable guerre contre Luskan. Hélas, le réveil d'un mal antédiluvien vient compromettre cette fragile félicité. Une fois encore, les citoyens du Nord ont besoin d'un héros, seul capable d'empêcher la région de sombrer à jamais dans les ténèbres. Ça va être bien. Ça va être très très bien. On va devoir passer par la case « Choix du personnage ». Je ne sais pas si je vais garder tout ça, je vais peut-être un petit peu accélérer le tout, parce que c'est un peu chiant, je vous l'avoue. Mais j'ai déjà une petite idée de ce que je vais prendre. Du coup, Ellipse. Voilà, Brandy Black. Peut-être est-ce le fils ? On ne sait pas. On ne sait pas, mais le mystère plein. Peut-être que vous avez une idée, peut-être que vous laissez la surprise, peut-être que je remplirai un jour cette fiche de personnage, je ne sais pas. Mais en tout cas, voici notre personnage. Entrons dans Never Winter Nights 2. Cela fait si longtemps aujourd'hui. Fils adoptif et fin prêt. Aujourd'hui a lieu la fête des grandes moissons et le conseil du village de Port-Nuit m'a prié de superviser le concours de tir à l'arc. Je ne comprends pas ce besoin humain de commémoration. Mais bon, il se peut que quelque chose de positif en ressorte. Galen le marchand est ici. Comme d'habitude, il va vouloir mes fourrures. Tu auras besoin d'or pour faire affaire avec lui. Cette saison a été difficile, tant pour les cultures que pour les marais. Pendant que je serai au concours, tu devras aller voir le marchand. Va chercher les fourrures dans le coffre en dessous du tableau. Wow, est-ce que c'est pas beau? Est-ce que c'est pas magnifique? Est-ce que c'est bien? Nous sommes dans le tutoriel. Donc, je vais essayer d'aller assez rapidement dessus. Nous avons, comme pour l'ancienne interface du premier jeu, une carte qui est beaucoup plus belle, beaucoup plus simple. Nous avons notre personnage juste ici. Là, c'est les actions que je vais effectuer. Donc, première action, action suivante. Juste là, la barre des tâches rapides que je vais tout de suite changer parce qu'il y a plein de choses qui ne me plaisent pas.
Et juste là, nous avons beaucoup d'autres choses. Je crois que ça s'appelle les modes ou des phases que du personnage. On peut passer en mode recherche, en mode furtif, en parade et en pistage. Nous avons notre inventaire que je vais déplacer. L'inventaire avec notre classe d'armure, nos points de vie, peu de points de vie parce que niveau 1, notre or, notre encombrement, ce qui équivaut au système de poids, tout ce qui est équipé sur nous. Est-ce que je peux pas te bouger plus? Et nos sacs. Je crois qu'avant on avait droit qu'à un seul sac, que l'on pouvait augmenter au fur et à mesure des systèmes de sacs, sac infini, sac 80%, etc. Désormais nous avons accès à un inventaire plus que conséquent. Évidemment, l'encombrement augmentera, la limite augmentera en fonction de ma force, ce qui est logique. Avec celle-ci, nous avons le journal des quêtes et bien sûr les notes que je peux ajouter comme ceci, incroyable, qui sont évidemment datées, triées par date, nom et priorité. Ça c'est interface, c'est pas ce que je veux. Au secours. Nous avons les touches évidemment ZQSD qui sont inversées pour une raison que j'ignore. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Mettre le jeu en pause. Normal. Et je crois qu'il y avait la touche. Voilà, la touche C évidemment pour notre page de notre fiche personnage. Donc, qui résume tout, notre barre d'XP a mis, regarde-moi, c'est un millier, super beau avec son nez. Je pense que j'aurais peut-être dû mettre un nez un petit peu moins... un petit peu moins visible. Nos caractéristiques, donc évidemment, demi-elfe, loyal neutre, je suis un roublard niveau 1, arme principale et mon arme directrice avec les bonus, bonus de base, divinité, j'ai pris la divinité de tir parce que je suis beaucoup attaché au premier jeu, des risques, des malus, etc. Les statuts, pour le moment il n'y a rien, les jets de vigueur, réflexe et volonté dans le cas où on me jetterait des sorts, mes aptitudes avec mes bonus, mes compétences, donc tout ce qui est en compétences, faites pause. Et normalement, je crois que voilà, tout est expliqué à chaque fois. Mes dons que je peux faire, que je peux appliquer en fonction des différents objets et des différentes occasions qui se porteront à moi. Et mon comportement. Alors le comportement, c'est une des choses que je n'ai pas vues. Ça me rend triste. Alors... ok, non, je vais tout faire moi-même. Ouais, mais non. On va faire moyenne. Je désactive. Non, on va activer les pièges, garde du corps, crochetage, etc. Furtif, jamais. La magie, on va désactiver. La dissipation des sorts, on va laisser ça comme ça. Ça aussi, voilà. Regarde, c'est comme ça. C'est le principal. Il y aura peut-être des moments où je vais me perdre. Il y aura peut-être des menus que je vais découvrir. Je ne sais pas trop, je crois qu'il y a le menu compétences qu'il va falloir que je retrouve et qu'il va falloir que j'assigne d'autres choses à moi, que ça a été énormément simplifié. Bref, passons. Alors, nous allons faire le tutoriel. Alors, le tutoriel, oui, on peut se déplacer, hop, droite, gauche, ou bas, droite, gauche, il va falloir que je change ces touches très très vite. Vous voyez, quand je me déplace, j'ai une indication, je me déplace. Alors, appuyez sur touche 8 pour parcourir la mode de caméra. La touche 8. Non, bah on s'en fout. Oui, sinon je peux faire comme ça ira beaucoup plus vite. Voilà. Donc, notre cher père adoptif, que voici, Daigen Falrong, nous a dit, ah là là, vite, il faut aller chercher des fourrures. Vite, vite, vite. Prends l'argent qui est dans le coffre sous le tableau. Et comme mémoire n'est pas très fut, et ben j'ai tout perdu et j'ai tout inversé. On prend tout le butin. Très bien. Bouton X. Bon, c'est pas le bouton X, on va c'est le bouton I. Normalement, la fourrure est ici. Un clic droit sur l'objet pour examiner ou déposer. Si je veux examiner, par exemple, hop. J'ai le nom, j'ai une petite indication et j'ai le poids. Très bien. Attends, je retourne parler à Fairy.
Je vois que tu as les fourrures. Galen a dû installer sa tente sur la place du village. Il doit profiter de la fête, comme le reste des habitants. La saison dernière, je lui ai demandé de me trouver un arc de bois cendré. Vends-lui les fourrures et utilise l'or qu'il te remettra pour acheter l'arc. Tes amis t'attendent près du pont. J'imagine que tu as hâte de te rendre à la fête. Mais n'oublie pas d'aller voir Galen. Le journal de quête. Voilà. Journal de quête mis à jour. Sur le marché aux fourrures et sur la fête des moissons. Donc notre journal de quête qui est sur la touche J si j'ai bien géré. J'ai mes quêtes triées par date. J'en ai terminé aucune. Et j'ai des petites indications sur qu'est-ce que je dois faire. Nous allons sortir. Là, ça se sent que je suis content. Je suis très content d'enfin montrer Nevermore Mythology 2. Pour le moment, il n'y a pas eu de problème. Ce qui fait que je suis plutôt satisfait. Ah, alors juste là, nous avons tout ce que l'on peut faire. Sort rapide, action par défaut sur les cibles, inventaire, carte, mini-carte, feuille, inspection rapide avec W, première chose. Première nouveauté, ça, livre de sort, ça va être très utile, il va falloir que je change 2-3 trucs. Le masque et les modes, l'interface, vise et ennemis avec table, mage, blablabla. Très bien. Alors, je vais juste en profiter pour si je retrouve la bonne touche. Ah ben voilà, bah du coup avec ma touche M, bah c'est la carte avec toutes les petites indications qu'il y a à faire. Avec le nord est donc au-dessus, ce qui me semble normal, zoomer, dézoomer. Le système de déplacement, cependant, est un tout petit peu différent de Neverwinter Nights 1. Si je pourrais avoir un minimap par contre. J'ai cassé ma minimap, au secours, voilà. Ah, te voilà. Viens vite, la fête bat déjà son plein. C'est la plus grande fête depuis des années. Les gens sont venus de loin, même d'en dehors du marais. Ça promet un public fourni. Tous ces gens pour nous encourager. C'est notre dernière participation à la coupe. Notre dernière chance de la remporter. Les Mosfeld ont remporté tous leurs combats de l'arène. Ils seront difficiles à battre, mais Emmy n'aura aucun problème à remporter le tournoi des Arcanes. J'ai convaincu Tarmas de m'apprendre de nouveaux sorts. Et j'en ai appris d'autres en consultant ses grimoires derrière son dos. En plus, Will Mosfeld va faire la même chose que l'année dernière. Ça va jouer en ma faveur. Oh non, pas encore les imitations de Pixie. Je n'ai plus le nom de la personne qui double ce personnage. Mais je sais que vous, quelque part, vous vous dites la même chose et que certains vont me dire en commentaire « C'est lui !» Eh bien, je suis d'accord. Il faut s'inscrire auprès de Georg, sur la grande place. Allons-y. Oui. Se sont joints à vous, évidemment. Neverwinter Internet 1, j'étais tout seul. Maintenant, je sais que je ne dois pas être tout seul. C'est pourquoi nous avons des personnages qui nous accompagnent et qui peuvent être joués indépendamment. Donc je peux me déplacer, je peux changer, je peux switch. Ouais, et je vais regarder, je peux même switcher entre oui. Leurs équipements. Et ça, c'est quelque chose que Neverwinter Nights 1 a fait, mais à partir de l'extension, la première extension Shadows of Endtide. Et maintenant que c'est réglé, et ben c'est tout bénef pour moi. Alors, faut que j'aille voir déjà Georges. Le mildiou continue-t-il à se propager, Orlan? Ce n'est pas le mildiou, Georg. C'est autre chose. Les plants ne pourrissent pas, ils refusent de pousser. Comme s'ils avaient peur de sortir de terre. Qu'en pensent les druides? Justement, je n'arrive pas à mettre la main sur l'un d'entre eux. À croire qu'ils se cachent. Avant, les villageois venaient me parler des problèmes bien avant que je ne les remarque. Cette fois, personne n'est venu me voir. Penses-tu que nous devrions en parler? Tout le monde est venu, même ceux des fermes les plus lointaines. Non, ils ont le droit d'oublier leurs soucis même une seule journée. Allons plutôt parler à chaque fermier demain, un par un. Tu as raison, Georg. Nous ferons selon ton plan. Tu es venu. Je me demandais si tu allais venir. Je pensais que tu battais le marais et que tu allais tout rater de la fête. Ça n'aurait pas été la première fois, hein? C'est votre dernière participation à la coupe, non?
Les règles n'ont pas changé. Remporte 3 des 4 épreuves et la coupe est à toi. Pour 4 épreuves remportées, le conseil décerne un prix spécial. Bon, ça n'est jamais arrivé depuis Cormic. Alors, quelles sont-elles ces épreuves ? Pour commencer, il y a l'arène des moissons. Toujours un grand succès. Le tournoi des arcanes aussi. Et avec Amy, tu es sûr de le remporter. Merci, Georg. Ce n'est que la vérité, jeune demoiselle. Comme chaque année, ton père adoptif est en charge du concours de tir à l'arc. J'ai même réussi à convaincre Tarmas de s'occuper du défi des filous. C'est le défi des filous qui te posera le plus de difficultés. À moins que les frères Mosfeld n'en aient décidé autrement. Si tu as un problème, tu sais où me trouver. Encore bonne chance pour la reine. Bon, et si on faisait le combat ? Je sens que vous êtes chaud. Allez, c'est parti. Il y a des mannequins d'entraînement un peu plus... Ah bah d'accord. Ok. Ok. Équipons-nous. Prendre tout le butin. Oui ! Très bien. Du coup, hop. Ah, sur l'arme principale. Alors attendez que j'essaie déjà de me souvenir comment. Suivez-moi. Et ben voilà comment on fait. Yes indeed. Regardez ça sur J. C'est beaucoup plus simple. Alors des mannequins, allons-y. Quand je clique sur un mannequin, normalement, ça attaque automatiquement. Vous voyez, c'est ici. Et donc là je peux faire comme ça. Regardez ça, c'est magnifique. Oui, dans la voix, il y a et du français et de l'anglais. Pas ma faute. Merci, c'est bon. Et évidemment, si je fais un clic droit, je peux avoir la barre de vie. Je peux le faire. Donc, c'est une belle chose. C'est pas ce que je voulais faire, moi, au départ. Combattre. Moi, je voulais aller chercher Galen. Donc, on va chercher Galen et ensuite, on fera tout ça. Alors, il y a plein de noms, évidemment. Orlène, les villageois. Des gens. Galen, voilà. Regardez ça. Il y a une poule. Oh, attendez, il y a un tas de bois. Fouillons le tas de bois. J'ai déclenché un piège, t'es sérieux? C'est un piège, mais qui viendra un fagot de bois? Ah, c'est sûrement un humour de merde. Ouais. Évidemment, quand il y a un piège, normalement, quand je détecte un piège, il devient rouge. Normalement. Toute cette partie-là que vous voyez, c'est vraiment tout le tutoriel. Alors, pour accéder à un magasin, oui, je sais comment on accède à un magasin. Normalement, magasin, si je te donne ces trucs, voilà, les fourrures, je peux acheter ça en faisant acheter. Impeccable, j'ai tout. Et normalement, sur mon journal de quête, j'ai enlevé les fourrés et on a fait qu'apporter l'arc à Dagun. Mais d'abord, nous allons faire la bagarre. La grosse bagarre. Comme dirait.
Donc on y va. Allons-y. Alors, un combat propre, corps à corps, la magie de combat à distance, ok. Les paris sont interdits, ok. Très bien. C'est hyper. Attaquons. Votre premier combat proche, je m'en bats les couilles. Donc ça demande un petit peu de stratégie. Et normalement, il y a quand même un petit peu d'intelligence artificielle. Donc ça se passe bien. Alors, mais vous avez mais je crains que Dieu ne vous accorde que peu d'adversaires cette année. L'équipe des Français est seule encore lisse. Soin, évidemment. La barre de vie. Alors évidemment, la barre de vie est assez faible. Je vais d'ailleurs sauvegarder. Je vais remplacer ma sauvegarde que j'ai faite en test. Donc, hop, sauvegardons sur le combat tuto. Hop là. Sauvegarde. Reprenons. Et battons-nous contre Mosfeld frère. C'est hyper, il attend près de lui. Alors, le repos. Ah, j'ai oublié de vous parler de ça. Le repos. 5 secondes cette fois au lieu de 10 dans le premier jeu. Ce qui est bien. Le menu joueur. Ah, bah voilà le menu joueur. Alors, je vais juste. Non, j'ai aucun sort. Très bien. Bah, du coup, ça se barre. J'aimerais juste vérifier que. Ouais, les modes, je vais les enlever pour le moment. Ou je les laisse, c'est comme vous voulez. J'ai pas encore accès à mon livre de sort et mes compétences. Bon, dommage. Allons-y. Ouais. Ah, d'accord. Gain d'influence. Allez. Assurez-vous que. Oui, bon, sans, au pire, je m'en fiche, hein. Je crois que mon personnage principal s'est fait défoncer sévèrement. Ah, ok, très bien. Ah d'accord, ok. Bah, écoutez, c'était un combat. Non, vraiment, je... Sur le cul. Bon, tant pis. Aïe. Oui, alors... Ok. Bon. Ah, combattre à nouveau. On va être soigné. Et avant de faire toute une chose, on va peut-être essayer de trouver un meilleur équipement. Ou alors on va faire d'autres jeux. Je pense qu'on va faire d'autres jeux. Pour gagner le titre des moussons, on s'en fiche. Allons voir votre père Daigun. Et bah parfois on va voir Daigun, hein, sinon. Je change beaucoup trop rapidement. La vie. L'homme en vert. Oh, bonjour l'homme en vert. Très bien, l'homme en vert. As-tu besoin d'aide? Pour beaucoup de villageois, la fête des moissons a une deuxième signification. Elle marque l'anniversaire du jour où les démons attaquèrent notre village. Chacun perdit des membres de sa famille ou des amis. Ton père adoptif en a un souvenir très vif. Il serait sage de ne pas aborder le sujet. Ok. Et du coup, je vais revoir là la maison de Daigun qui est de l'autre côté. Yep. C'est une petite musique toute sympathique. J'aime beaucoup. Je me laisse... enivré, porté par le jeu, tout ça, tout ça.
Ah mais je suis con, il est sorti. Mais j'aurais pu envoyer des trucs. Du coup, si je me mets sur M, voilà. Le pont de genre de arène des moussons. On va aller au concours de tir à l'arc. Ah, je peux pas me déplacer sur. Je peux pas me déplacer rapidement. Par contre, je peux faire des marqueurs. Ça, c'est très très cool. Moi je profite. Je profite du jeu. J'espère que vous profitez aussi. Ah par contre ça, ça ne change pas. C'est toujours des petits problèmes de déplacement. À droite, à gauche. Elle est passée où elle? Qui s'est fou. Oui. Tiens, Orlène, j'ai hâte d'assister à ton spectacle. Non. Il est où? Il est là-bas. Voilà. La personne est trop loin, elle ne... Ah, oh là là. Alors tu vas participer à la coupe. Sache que même si c'est ta dernière participation, les règles s'appliquent à tous, y compris au fils adoptif. Oui, papa. Je suis prêt. Prends une arbalète dans le tonneau et entraîne-toi sur la cible. Pour participer au concours, tu dois toucher la cible au moins une fois. Ok, j'en profite. Prends une arbalète dans le tonneau et tire. Cet arc est magnifique. Son créateur aime. Maintenant, va t'équiper avec une arbalète. Ok, l'arbalète. Je prends l'arbalète et les carreaux. Oui, je sais. Alors, attends, il faut s'équiper de... Arbalète. Hop, arbalète. Et les flèches ici dans l'emplacement prévu à cet effet. Et donc normalement, et ben voilà. Alors, veux-tu participer au concours? Bah oui. Même règle que l'année dernière. 10 cibles, 10 essais. Okay. Les cibles sont les bouteilles installées sur les caisses que tu vois là-bas. Pour l'instant, le meilleur score est de 5 cibles. Mais si tu appliques mes conseils, tu devrais pouvoir faire mieux que ça. Bon, ça va le faire. Les caisses qui sont... Là-bas, ok. Ok. On se vient. Une bouteille. Ça ne durera pas. Ça ne durera pas. Évidemment, quand j'attaque, il y a un cooldown. Vous le voyez. Ça ne durera pas. Évidemment qu'il me manque des flèches, je sais. Je me charge de lui. Ah, les bouteilles n'ont pas de point de vie, ce qui est très drôle. Alors évidemment, le calcul, je ne sais toujours pas comment c'est fait. Qu'est-ce que tu fais, bordel? Voilà. Bravo, un tel score te vaudra la victoire. Je compte m'attarder ici jusqu'au soir, au cas où d'autres souhaiteraient s'exercer pour le plaisir. Va maintenant, la foire t'attend. Pars maintenant, tu n'as pas tout vu de la fête. Oui. Alors, vous avez gagné suffisamment d'XP pour aller au niveau suivant. Yes, vous aussi gagné l'expérience des niveaux. Ah bah ça c'est bien. Alors du coup, si j'appuie sur C, prêt pour le passage de niveau. Alors déjà, mon personnage, passage de niveau, Roublard, évidemment. Je peux mettre 8 points dans mes compétences. Je sais exactement dans quoi je vais les mettre, parce qu'il y a un truc que je veux absolument mettre. Tout ce qui est en bleu, je ne mets qu'un point dessus pour que ça augmente. Et je peux avoir un minimum de plus 5, très bien. Donc je vais mettre... non. Alors, je peux avoir autant de... Je peux mettre autant de points en fonction de mon niveau. Pour le moment, l'estimation, je m'en fiche un peu. J'ai mis plus 1 parce que... Tout ce qui est en gris, par contre, c'est 2 points.
sauf Kara, et tout ce qui est en rouge, c'est impossible. C'est impossible, donc du coup, interprète, c'est mort. Je vais donc mettre plus 1 en ça, plus 1 en raillerie, acrobatie, utilisation d'objets magiques, dans le crochetage, évidemment, et aussi dans le déplacement silencieux. Et donc du coup à chaque fois j'ai gagné 8 points de vie, j'ai mis des points dans mes compétences et mon don que j'ai acquis, l'esquive totale. On va faire ça pour tout le monde. Alors lui c'est quoi? Humain, loyal, bon, c'est un guerrier, ok, en force d'extérieur et concentration, ok ok. Alors il a des compétences, je vais pas te regarder, mais je suppose que lui ce qu'il a le plus besoin c'est des armures lourdes. Donc je vois. On va mettre 2 points dans... pas dans le savoir, l'intimidation, peut toujours être utile, et la parade. Hello ma parade. Ah, je vais lui apprendre un don. Qu'est-ce qu'on va t'apprendre comme don à toi? On va t'apprendre un truc utile. Une hache. Hache, hachette. Alors, les armes de... prédilection, ça me permet de m'équiper de ces types d'armes. Je pense que je vais prendre ça. Et aussi des compétences. Et il y a des dons d'armure, etc. Maniement des armes exotiques. Alors ça, c'est génial. Ça, c'est génial. Alors, je pense. Lui me recommande le renversement. Non, je vais prendre arme exotique parce que je suis un connard. C'est faux. C'est faux, c'est faux. On va prendre l'épée à deux mains. Au cas où. Et gagner plus 13, armes de prédilection, blablabla. Et pour cette chère Amy, qui elle a l'air d'être plus dans la magie, évidemment. Exactement, je suis trop fort. On va lui mettre un point dans le savoir, l'art de la magie. Qu'est-ce qu'on va mettre aussi? Sur la concentration, l'artisan alchimique, parce que je suppose que ça peut être utile. Non, pas dans les premiers secours. Non. Perception, pourquoi pas. Bah, je peux plus. Ça, je peux c'est maxé. Et bah, du coup, on va partir sur la perception auditive ou l'intimidation. Intimidation. Un sort disponible. Qu'est-ce que. Pour supprimer ces sorts. Non. Qu'est-ce qu'on va te mettre comme nouveau sort maintenant? Un sort d'identification, vision dans le noir, rayon affaiblissant. Non. Pour le moment, c'est que des sorts niveau 1, d'accord. Non, je peux pas supprimer le sort. Eh ben, on va te mettre un sort de bouclier, tiens. Un sort de bouclier. Je peux encore choisir un autre. Ah, je peux mettre deux sorts. Ah, intéressant. Oui, un sort de bouclier et... on va te mettre un sort de oui je crois non. Alors ça peut être utile. Résistance aux énergies destructrices. Plus 6, plus de sorts. Je les partirai de sort. Les compétences c'est aucun don. Impeccable, j'aime beaucoup tout ça. Bien, écoutez, je pense que ça va faire un petit moment que j'enregistre. On est toujours sur le tutoriel, on va y rester pour que tout le monde comprenne et parce que je veux savoir l'histoire, vu que je les appelle tutoriel pendant une phase de test. Du coup, si vous avez suivi toutes les vidéos de cette session, merci. J'espère que la suite vous plaira, j'espère que le jeu vous hype. Moi, il me hype à 100%. Merci de vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, en espérant que ça vous ait plu. Comme d'habitude, tout ce qui est like, commentaire, abonnement sur la chaîne YouTube, une vidéo tous les mercredis à 15h30. Abonne-toi, mets un commentaire si tu as un conseil ou si tu veux parler de ton expérience sur Neverwinter Nights 2. Je suis présent sur Twitter et Instagram assez souvent et où j'annonce les sorties, les avancements de certains projets. Merci à tous, bon jeu et à la prochaine pour la suite de Neverwinter Nights 2.